Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting et bien sûr sur notre petit renard. Donc si vous entendez du bruit aujourd'hui, désolé, hein, j'ai mes enfants qui sont en train de jouer dans le salon et il faut vraiment que je vous fais que je vous fasse cette voix off ce matin. J'ai du mal, je suis pas très bien réveillée. Alors, on a bien avancé, hein? On a presque fini les petites oreilles. Et cette fois-ci, j'ai encore remis 2 fois 30 minutes en fait pour cette séance de diamond painting. Parce que j'ai pas trop envie que ça dure longtemps. Enfin, le nombre de vidéos, je voudrais bien aller jusque 5 vidéos pour ce diamond painting et pas plus en fait. Donc, vu qu'on est déjà à la troisième, je vous ai remis 2 fois 30 minutes. Alors, sinon, quoi de neuf? Bah, pas grand chose, toujours à la maison, toujours avec les enfants, et on avance en fait nos diamond painting. Donc j'ai fini mon grand diamond painting. Si vous voulez le voir, en fait, vous avez juste à aller sur mon Instagram, donc c'est le même nom, maman et puis, et vous allez le voir. Je l'ai pas fait en vidéo parce que en fait je le faisais avec ma fille et je le faisais en fait. 5 minutes par 5 minutes, ou des fois je restais 1 heure dessus, mais c'est vrai que voilà, je l'avais commencé depuis très très longtemps, donc je voyais pas l'intérêt de vous faire une vidéo dessus, surtout pour la toute petite partie qui nous restait à faire. Donc du coup, on va se concentrer sur. Ils sont en train de se disputer, je crois. On va se concentrer sur notre petit renard et j'ai hâte de recevoir les nouveaux diamants de painting, de vous les montrer. Il y en a des trop beaux. Il y en a un pour mon chéri, il y a un Zelda pour mon chéri. J'en ai commandé un pour ma fille qu'elle doit faire. Enfin, je pense que je vais l'aider, mais c'est Croque-Mou de dragon avec Pikachu. Donc, il est vraiment juste magnifique. J'ai commandé aussi une fée clochette et un chat pour Halloween. Donc celui-là, je vais pas le faire tout de suite. Hein. Je vais le faire un petit peu avant Halloween pour pouvoir me faire ma petite déco. Et j'ai recommandé une plaque lumineuse parce qu'en fait, celle-ci, je sais pas si vous voyez, mais tout en haut, au niveau des écritures, en fait, il y a un rebord où on peut mettre des piles. Parce que en fait on n'est pas obligé de la brancher et c'est vrai que quand c'est des petits diamants de painting comme celui-ci ça va très bien. Mais alors pour mon grand diamant de painting quand je le mettais en dessous c'était vraiment chiant parce que ça faisait une bosse. Donc j'en ai recommandé une mais plate, vraiment plate, donc bon elle se branche mais bon ça fait rien. Hein. Au moins ça me gênera pas et celle-ci je pense que je la passerai à ma fille pour qu'elle fasse son DP. Qu'est-ce que nous avons fait aussi cette semaine? Nous avons fait des stylets avec ma fille en pâte Fibo. Donc je m'en suis fait un et j'en ai fait un pour ma fille. Je vous montrerai. J'ai tellement de nez bouché que j'ai du mal à parler aujourd'hui. Désolée. Je vous montrerai ça pour une prochaine vidéo. Alors c'est une vidéo que je vais faire aussi pour la rotonde de ma ville. En fait, c'est un centre social où on se retrouve pour faire des activités. Et vu qu'en ce moment, nous sommes fermés, et ben, on se fait des petites visioconférences entre membres du centre. Donc, on se retrouve le mardi et le vendredi après-midi en visio. Et bien sûr, nous parlons de tout et de rien. Donc nous pouvons très bien parler de diamond painting, de tricot, de dessin, de scrap, voilà. Donc nous ça s'appelle Thé au café et c'est pour les adultes. Bon là c'est vrai que quand on est en visio on a souvent nos enfants qui passent derrière, mais bon ça gêne pas. Hein. Et sinon il y a aussi des activités pour les enfants. Donc par contre je connais pas le nom, je suis désolée pour ce groupe de personnes qui s'occupent de nos enfants. Je sais que pour les tout petits comme mon fils, c'est Planète des Lutins. Et pour les plus grands de l'âge de ma fille, je ne sais pas du tout. Voilà. Mais sinon, on fait plein d'activités du coup qu'on fait partager sur Facebook ou en visio, là, en visioconférence. Donc c'est plutôt sympa, ça nous change de notre routine quotidienne en ce moment.
Donc j'ai prévu de faire une petite vidéo donc, qui va passer sur la chaîne mais aussi sur le groupe Facebook. Donc bien sûr je vous mettrai le lien du groupe en barre d'infos lors de cette vidéo. Donc je pense que ça sera la vidéo de mercredi. Voilà. Toutes les petites infos que j'avais à vous faire passer. Bon sinon il n'y a toujours pas de malade à la maison. Enfin à part le rhume que je me tape depuis une semaine et que j'arrive pas à me défaire. Du coup, je parle du nez à longueur de journée. Je suis toujours en train de me boucher. Mais bon, c'est quand même mieux que d'autres maladies plus dangereuses, on va dire. Nous avons installé la piscine, donc. Aujourd'hui, bah, on peut pas y aller. Il pleut. Hein? Genre, on a installé la piscine. Ça fait une semaine qu'on profite, on va dire. Et puis là, depuis 2-3 jours, bah, il fait pas très beau, il fait froid. Enfin, il y a surtout beaucoup de vent, donc du coup, on ne peut pas profiter de la piscine, malheureusement. Et bah, on fait d'autres choses. Hein. On fait du diamant de platine, on fait du coloriage. Cet après-midi, nous allons faire de la peinture à la paille. Donc, pareil, si vous voulez voir ce que c'est que de la peinture à la paille, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous ferai un montage vidéo sur ça, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ma fille serait super heureuse de vous montrer ses créations à peinture à la paille, bien sûr. Et voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Ça fait déjà 7 minutes que je parle. Donc, je vais vous laisser profiter de la vidéo. Et je reviens bah, à la fin de la vidéo pour vous faire de gros bisous.
Bon voilà, vous avez vu, on a bien avancé quand même. Il est super beau ce renard, j'adore toujours autant. Alors, nous allons nous quitter ici, hein, parce que ça fait quand même plus de 15 minutes, hein, on arrive dans les 18 minutes. Donc je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, amusez-vous. Allez, salut!